Le président Bola Ahmed Tinubu est-il en train de plonger son pays dans une profonde crise ? Entre hausse des prix à la pompe, augmentation du coût des biens et services, licenciements en chaîne. À la Banque centrale du Nigeria, le président nigérian ne cesse de mener des réformes controversées. Pour un bilan à débutante, après un an passé à la tête du pays, pauvreté extrême, famine, chômage, insatisfaction. Le quotidien des Nigérians est devenu difficile à vivre. Cependant, comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui peut bien justifier cette économie problématique de l'une des premières puissances économiques du continent africain? Quel avenir pour le président nigérian Bola Ahmed Tinubu? Nous en parlons ce soir dans le cadre de cette émission du Point sur l'actualité, aux côtés de la deuxième thématique consacrée à l'unité politique du continent. À quel niveau ça coince exactement, en ayant bien sûr un regard rivé sur la tenue de la première édition du sommet Corée du Sud-Afrique qui s'est ouvert ce 4 juin 2024 du côté de Séoul, en Corée du Sud. Mesdames, Messieurs, bonsoir à vous et bienvenue. Retrouvez sur les antennes de For You Media Africa dans le cadre de cette émission du Point sur l'actualité, édition du 4 juin 2024. Côté bien sûr de nos invités, nous parlerons de Nigeria, nous parlerons surtout de cette situation économique difficile qui, entre autres, frappe notamment le pays. La première année du président Bola Ahmed Tinubu, plus que jamais à relever du côté du Nigeria. Les défis sont nombreux pour un président qui n'a aucunement réussi, entre autres, à remettre le Nigeria sur le droit chemin. Nous aurons l'occasion d'en parler ceci aux côtés de nos invités. André Christel Fanga est avec nous, journaliste, directeur de publication La Dépêche du Midi, l'un des consultants permanents de cette émission du Point sur l'actualité. Bonsoir à vous, DP, et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Nguéné. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être sur votre plateau avec des éminents panélistes que vous allez présenter tout à l'heure. Je ne veux pas vous ravir la vedette pour cela. Bonsoir aux millions de téléspectateurs. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent partout sur toutes les plateformes For You Africa et qui justement continuent, n'est-ce pas, à soutenir ce combat, continue à soutenir, n'est-ce pas, ceux qui sont au devant de la scène pour justement éclairer davantage la lanterne, n'est-ce pas, des Africains. Ça, c'est quelque chose de formidable dont nous les saluons tous. Sentez-vous proche de nous parce que nous comprenons, n'est-ce pas, vos doléances, vos cris, vos messages et tout le reste que vous envoyez à l'Afrique. Je ne dérogerai pas la règle encore ce soir en prenant juste une ou deux minutes, n'est-ce pas, pour davantage, n'est-ce pas, parler de quelque chose qui me chagrine. Qui me chagrine, pourquoi? Parce que dans notre... le Cameroun, aujourd'hui, est face à une actualité. Une actualité où on nous dit que les Lions Indomptables vont jouer, n'est-ce pas, viennent au Cameroun et vont loger à l'hôtel Hilton. Alors qu'on nous a dit qu'il y avait un hôtel qui était construit au stade Olembe. Oui. Un hôtel 5 étoiles. Et que le stade était sous les gradins. Nous pensons qu'à l'heure, si ce stade devait être terminé pour que les Lions puissent loger là-bas gratuitement, s'entraîner gratuitement au stade, n'est-ce pas, d'Olembe, avoir les piscines olympiques, avoir tout le matériel et avoir tout ce qu'il faut au niveau d'Olembe. Mais on est surpris que le même qui nous avait dit que le ministère des Sports ne gère pas certaines choses aujourd'hui est en train de dire que le ministère a droit de tout gérer aujourd'hui. Donc, nous pensons qu'il faut quand même qu'on soit un peu cohérent envers nous-mêmes. Cohérent envers nous-mêmes parce que quand nous regardons aujourd'hui dans le domaine du sport seulement, avec l'arrivée du ministre Mole Combi, les fédérations sont en train de saucissonner. La FECA-HAN, FECA-Volé, on peut encore FECA-Box, on peut en citer comme ça. Voilà la FECA-Foot qui est déjà aussi dans le pipe, n'est-ce pas, du saucissonnement de Mole Combi. Donc nous nous posons la question, est-ce que le président de la République a nommé M. Mole Combi pour venir détruire, n'est-ce pas, le sport ou bien ce qui nous reste de plus cher, c'est-à-dire le football? Parce que quand tous les autres, n'est-ce pas,
On n'en parle pas des problèmes économiques, on n'en parle pas de la vie chère, on n'en parle pas des néos, on n'en parle pas des autres défis que les Camerounais traversent aujourd'hui. Mais au moins, le sport nous permet souvent au moins de se distraire, de penser à autre chose. Mais quand le désordre politique vient s'installer, n'est-ce pas, en violation même des hautes instructions, des vraies hautes instructions du président de la République, parce qu'il faut rappeler que M. Moïse Kombi a usurpé, n'est-ce pas, les hautes instructions. Il a fait croire au ministre secrétaire général, à la président de la République, qu'il s'était concerté avec le président de la FECAFOOT avant de prendre cette décision. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, l'État se retrouve lui-même dans un imbroglio parce qu'il y a un ministre menteur. Et d'ailleurs, on nous a fait revoir une vidéo ces jours-ci où le ministre Moïse Kombi était dans une interview à la CRTV. Et il dit que à chaque fois que les Lions Indomptables ont gagné, c'est toujours avec un entraîneur étranger. Alors, on a fait sortir quand même les Jeux Olympiques, qui est la deuxième médaille, en fait, le deuxième trophée le plus important après les Cannes, les différents Cannes, que nous avons gagné avec un entraîneur camerounais local qu'on appelle Jean-Paul Akono. Donc, vous retrouvez qu'il y a mensonge issu, mensonge où on viole la loi et on continue à violer la loi et on continue à faire croire que c'est le président de la République ou bien c'est l'État ou bien ceux qui sont contre ces instructions-là sont contre l'État du Cameroun. Non, nous ne sommes pas contre l'État du Cameroun. Nous sommes contre les individus menteurs. Voilà. Le coup de gueule d'André Christel Fanga pour lancer, entre autres, l'émission. Le bras de fer, notamment, entre la Fédération Camerounaise de football et le ministère des Sports, et qui se poursuit du côté du Cameroun. Les dernières actualités, l'entrée en stage des Lions Indomptables du Cameroun, en préparation justement au match face au Cap-Vert et à l'Angola. Et la Fédération Camerounaise de football qui a donc décidé de jeter l'éponge, mais surtout qui se désolidarise de la préparation, mais surtout de l'organisation de ces deux rencontres du Cameroun. Aux côtés du docteur Jean-René Fils, qui est également avec nous, je rappelle que vous êtes expert financier, vous êtes également économiste. Merci à vous, docteur Douma, d'être des nôtres ce soir. Bonsoir, bonsoir. Merci pour cette invitation. Un bonsoir particulier à Poto Fanga, le DP. Bonsoir. Les grands hommes qui symbolisent l'idéal de l'Afrique dont nous rêvons et qui montrent l'exemple à la jeunesse pour suivre ces pas-là, tout comme vous d'ailleurs. Sur le plan médiatique, je suis là pour apporter également ma modeste contribution. Je dis bonsoir à toute l'équipe technique au top management de Foyou Media Africa. Je dis un bonsoir particulier aux millions de téléspectateurs qui nous suivent et qui nous font le plaisir dans leurs agissements de mettre en pratique ce que nous disons ici, parce que nous parlons des faits, nous disons la vérité et rien que la vérité. Merci. Merci à vous, docteur Douma, d'être des nôtres, mais surtout d'avoir répondu favorablement à l'invitation de For You Media Africa. Monsieur, parlons du Nigeria. Parlons de cette première année de l'administration Biden. De l'administration Tinubu. Une première année pas du tout reluisante du goût, notamment de nombreux Nigérians. Une première année marquée notamment par des réformes plus que jamais controversées. On parle, entre autres, bien sûr, de tout ce qui frappe l'une des premières économies du continent africain. Une situation économique plus que jamais catastrophique. Une économie problématique carrément du côté du Nigeria. Bola Ahmed Tinubu est-il plus que jamais sous pression? C'est ce que vous tentez, entre autres, du moins dans cet élément. Begoudé Madone, vous avez jeté un regard beaucoup plus exhaustif sur le bilan mitigé jusqu'ici de cette première année du président nigérian Bola Ahmed Tinubu à la tête du Nigeria. Le 29 mai 2023, Bola Ahmed Tinubu accédait au pouvoir après sa prestation de serment en tant que président élu lors des élections de mars remportées dès le premier tour. Il succédait ainsi au président Muhammadu Buhari. À la tête du pouvoir, le président nigérien avait annoncé la fin des subventions aux produits pétroliers, suivi du retour à un taux de change fixé par le marché interne. Une décision qui avait valu au président Tinubu de vives critiques et des remous au sein du peuple. Les décisions sur le plan économique du Nigeria
n'ont pas rendu sa monnaie nationale reluisante et a entraîné une inflation qui se situe encore entre 30 et 33% depuis le début de cette année. Le pouvoir de Tinubu semble s'inscrire dans un capitalisme progressif, avec la hausse du prix de l'électricité et la bulle dans laquelle se trouve désormais le secteur privé. Les restrictions entamées par le pouvoir en place au Nigeria, dont le secteur financier, ne font pas l'unanimité. Mais le président Tinubu promet de meilleurs jours et rappelle l'importance de ces mesures pour une économie plus stable dans la plupart de ses discours. Quelques semaines après son accession au pouvoir, des bruits de bottes se font entendre alors que Bola Tinubu prenait la présidence de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, avec comme premier projet l'invasion militaire du Niger pour ramener Mohamed Bazoum, renversé le 26 juillet par le général Tiani à la tête du Niger. Le dossier nigérien a été à l'origine de plusieurs discordes autour du président nigérien. Sur le plan sécuritaire, depuis près de 6 mois, les rapts se multiplient dans les écoles primaires et secondaires. À ce jour, plus de 500 jeunes filles ont été enlevées. Le président Tinubu a vécu une année de décisions controversées. La deuxième qu'il aborde revêt plusieurs défis encore, car sur le plan économique, des réformes sont attendues. Sur le plan sécuritaire, des fortes décisions sont également attendues. Une année de décision controversée plus que jamais du côté du Nigeria pour l'administration Tinubu, fin des subventions sur les produits pétroliers, retour à un taux de change fixé notamment par le marché interne, des mesures qui ont eu pour conséquence directe une dévaluation abrupte notamment de la monnaie nationale nigériane et l'explosion de l'inflation. Alors, d'entrée, docteur Douma, doit-on adopter le narratif de ceux qui qualifient justement cette situation économique de mesure controversée, ou alors pensez-vous que, compte tenu du contexte, on pouvait faire mieux du côté du Nigeria? Alors, les chiffres sont têtus. Et un an après l'accession au pouvoir du président Bola Tinubu, le constat est là. Le constat est alarmant parce qu'il vient d'abord de nos frères et sœurs nigériens qui vivent, n'est-ce pas, au quotidien les conséquences des mesures qui sont prises, qui ont été prises depuis l'accession au pouvoir de Bola Tinubu. Et lorsque le constat est fait par ses propres citoyens, ses propres compatriotes, il est clair que nous qui sommes des technocrates, nous ne pouvons qu'aller dans le sens de l'argumentaire qui va véritablement établir que ce qui est dit a suffisamment d'éléments de vérité. Vous savez que le Nigeria, pour l'Afrique en général, et particulièrement pour un pays comme le Cameroun, parce que le Nigeria c'est un pays limitrophe, un pays frère, et il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent, qui nous rassemblent même. Et on a souvent considéré le Nigeria comme étant, n'est-ce pas, un exemple. Ne serait-ce que sur le plan des affaires et donc sur le plan économique. Mais je pense que depuis que le président Bola Tinubu est arrivé au pouvoir et qu'il a commencé à prendre un certain nombre de décisions, moi particulièrement, je me suis posé beaucoup de questions. Parce que les manifestations des décisions qui sont prises ne sont que la conséquence de ce qui est fait. Alors, quand il a accédé au pouvoir, il promettait, par exemple, la création des emplois. La création des emplois, le bien-être des Nigérians. D'accord ? On peut parler d'une certaine sécurité alimentaire, hein, et surtout de la sécurité elle-même. Nationale. Nationale. Oui. Alors, est-ce qu'un an après, en fonction d'un certain nombre de décisions qu'il avait prises dès, n'est-ce pas, son accession au pouvoir, on peut dire que la direction a été véritablement empruntée
pour créer des emplois, pour que les Nigérians se portent de mieux en mieux, qu'ils se nourrissent et qu'ils soient en sécurité. C'est un gros point d'interrogation. Mais ils sont nombreux à dire que les promesses n'ont pas été tenues jusqu'à présent. Ces Nigérians, d'ailleurs, oui. Ceux qui vivent de très près les réalités de ce côté, oui. Ils sont nombreux justement à remettre en cause aujourd'hui toutes les mesures qui ont été prises. D'accord. Par le président nigérian Bola Ahmed Tinubu, estimant que déjà sous l'ère de son prédécesseur, la situation n'était pas au beau fixe, mais avec le président Bola Ahmed Tinubu, elle s'est nettement détériorée. Oui. Davantage. Ces promesses-là, c'est pour ça que j'ai rappelé, on peut dire, les engagements qu'il avait pris. Commençons un peu par la création des emplois. Oui. Alors, l'une des mesures qu'il avait prises, c'était de supprimer les subventions, n'est-ce pas, au prix du carburant. Oui. Supprimer les subventions, n'est-ce pas, au prix du carburant, c'est augmenter le prix du carburant pour le citoyen lambda. Et c'est aller dans le sens on peut dire, des instructions que les institutions de Bretton Woods donnent souvent aux pays africains, c'est-à-dire la Banque mondiale, le FMI. Donc, quand il arrive au pouvoir, il prend une mesure qui, pour nous, montre clairement que cette mesure est contre ce qu'il déclare, son lui, programme pouvoir faire. Qu'il a conduit au pouvoir. Tout à fait. Maintenant, pourquoi est-ce que quand on décide d'augmenter de manière suffisamment significative et drastique le prix, par exemple, du carburant à la pompe, pourquoi est-ce que ça ne peut pas créer des emplois? Premièrement, tout ce qu'on transporte utilise le carburant. C'est-à-dire que quand on a augmenté le prix du carburant, on a augmenté le prix de toutes les vivres qui sont transportées, on a augmenté le prix pour le transport même des individus. Ça veut dire qu'on a augmenté le prix des biens et services. C'est-à-dire qu'on générale. A augmenté, merci, ça signifie qu'on a augmenté le prix des biens et services. Tout ce qu'on consomme tous les jours devient plus cher. Okay? Parce que celui qui achète son régime de banane à je dis n'importe quoi, à 2000 naira, et qui doit aller le revendre, n'est-ce pas, dans une autre ville à 2500 naira, et le régime est transporté par un véhicule qui lui taxe le transport plus cher, il est obligé lui aussi à la fin de la chaîne de taxer ce régime de banane plus cher. Plus cher. De manière caricaturale, pour que tous nos téléspectateurs comprennent, tout augmente parce qu'on a augmenté le prix du carburant. Pour les entreprises, ça signifie quoi? Pour les entreprises, ça signifie qu'on augmente également les coûts de production parce que les entreprises consomment le carburant. Si ce n'est pas le carburant, c'est une autre forme d'énergie qui consomme également du carburant. Et donc, comme les entreprises n'acceptent pas de perdre généralement, ça va ralentir la productivité, mais à la fin de la chaîne, ces entreprises vont repercuter la hausse des coûts, n'est-ce pas, de la production sur le prix de la marchandise, n'est-ce pas, que le client va consommer. Donc les entreprises ne pourront pas être dans une situation incitative pour créer davantage d'emplois, c'est-à-dire recruter. Les ménages n'auront pas assez de pouvoir d'achat pour pouvoir s'alimenter normalement. Et on arrive donc à un stade où les revenus des citoyens n'ayant pas augmenté, il y a des problèmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a un ensemble de syndicats qui se sont mis ensemble pour demander que le salaire minimum, qui est de 30 000 naira aujourd'hui, environ 20 dollars, passe à 500 000, c'est-à-dire pratiquement 16 fois de plus. Vous voyez, une proposition d'ailleurs rejetée. Une proposition rejetée nigérian. Parce qu'elle est irréaliste. On ne peut pas partir de 30 000 à 500 000, mais ça reflète le malaise, la profondeur du malaise. Quand c'est un ensemble de syndicats qui décident. Vous voyez, on est à 30 000, mais ils disent qu'il faut aller à 500 000 pour qu'éventuellement les gens puissent souffler un peu. Ça, c'est une mesure. L'autre mesure qui a été prise, peut-on pouvoir la développer davantage, c'est que le président Tinubu, quand il est arrivé au pouvoir, en très peu de temps, il a limogé
le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, avec un personnel très important. C'est-à-dire, tous ceux qui ont travaillé depuis pratiquement 2 ou 3 ans pour mettre en place les instruments financiers, comme par exemple la monnaie digitale de Banque centrale du Nigeria, dans laquelle le Nigeria a montré qu'elle était véritablement leader, n'est-ce pas, sur le plan même africain, même dans le cadre des transactions en crypto-monnaie, le Nigeria plafonne en Afrique, et dans le monde, vous allez trouver le Nigeria parmi les 10 à 15 pays. Donc, il licencie des gens comme ça, et conséquence de cette manière de fonctionner, il ouvre la voie à une dévaluation du Naira, une dévaluation sévère du Naira, qui véritablement fait en sorte que la vie devient plus chère. On est à un taux d'inflation de pratiquement 30%. 30%. Mais il me souvient que c'est un grand homme d'affaires aussi. Et alors, ces mesures-là, qui sont totalement antinomiques à ce que lui, il a annoncé, laissent penser que soit il ment, et ce serait dommage, parce que les impérialistes, leur outil le plus utilisé, c'est le mensonge à ciel ouvert. Et c'est pour ça que certaines personnes disent que ceux qui croient à ce que les politiciens disent n'ont pas encore compris. Donc, soit il a menti pendant son élection et au moment où il a prêté serment, soit lui-même et les gens qui l'entourent sont tellement incompétents au point où on veut une chose, mais on décide du contraire. Parce qu'aujourd'hui, les Nigérians sont en train de souffrir énormément. Je vais sortir par un élément. Vous savez qu'en 2022, le Nigeria était le pays économiquement, la première puissance économique en Afrique. En 2022. Alors, en 2023, le Nigeria a reculé en deuxième position. Alors, mais aujourd'hui, la dernière publication pour le classement avril 2024, le Nigeria est 4e puissance économique d'Afrique. Et donc, vous voyez comment le pays est en train de régresser, même si je ne suis pas de ceux qui croient beaucoup aux indicateurs qui sont liés au PIB, parce que nous devons, les économistes et les financiers africains doivent commencer à repenser d'autres modèles pour qu'on puisse être objectif dans l'évaluation, n'est-ce pas, de l'efficacité des modèles économiques qu'on met en place. Parce qu'avoir un PIB qui est colossal et avoir pratiquement la moitié de la population qui croupit dans la misère, je ne sais pas sur quelle base on peut dire qu'on est une puissance économique. Voilà. Mais qu'arrive-t-il exactement à l'une des meilleures puissances économiques sur le continent, le Nigeria, méconnaissable sous l'administration Tinubu? Le programme de campagne, vous l'avez relevé, Dr Douma, donnait la priorité notamment à la création d'emplois, à l'investissement dans l'agriculture et les infrastructures politiques, mais surtout au renforcement de la sécurité nationale. L'autre constat qui a été fait durant les 355 premiers jours de Bola Ahmed Tinubu à la tête de l'État, c'est que les kidnappings ont augmenté, André Christel Fanga. Du coup, on ne comprend plus ce qui se passe au Nigeria aujourd'hui. Est-ce une situation regrettable pour vous? Alors, monsieur Nguéné, vous avez récité, vous avez repris les propos de campagne. Mais je voudrais vous donner le vrai propos de campagne de monsieur Tinubu. C'est quoi le vrai propos de campagne? Le vrai propos de campagne du président Tinubu, c'est mon tour. Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le seul propos dans son discours. Voilà le vrai discours de campagne de Bola Ahmed Tinubu au Nigeria. Le reste, là, c'est les écritures. Donc, il s'en fout de l'autre, là. Ça ne le concerne pas. Les vrais propos de M. Bola Tinubu pour aller à cette élection, d'abord pour être investi d'abord par son parti, et deuxièmement aller à cette campagne, il a dit simplement « c'est mon tour ». Alors ce que vous dites, c'est que l'accession au pouvoir, le président nigérian en a fait une fin en soi. Mais c'est aussi simple que ça. Il dit « j'en ai fabriqué les autres chefs d'État de ces derniers temps, parce que c'était lui le faiseur de roi ». Au Nigeria. Arrivé à un moment donné,
je ne sais pas ce qu'il a pris. Peut-être qu'il avait besoin peut-être de ce titre, parce que quelqu'un qui a d'abord menti sur son âge, il a menti sur plusieurs domaines, et donc, il est venu comme avec seul slogan de campagne, c'est mon tour. Donc le reste là, attendez, c'est mon tour d'abord d'aussi porter la casquette de chef d'État. Et c'est ce qu'il a financièrement. Il est bien garni, il a fabriqué plusieurs hommes d'affaires, il est, son parti était le leader, n'est-ce pas, au Nigeria. Donc ce n'est que normal qu'on se retrouve avec ce genre de résultats, parce que vous avez quelqu'un à la tête du Nigeria qui n'est pas venu avec une ambition de redresser le Nigeria, qui n'est pas venu avec un programme politique, qui est venu juste avec un ego surdimensionné en disant « c'est moi le faiseur de roi, alors c'est mon tour ». Et il vit comme ça. La preuve en est, dans toutes les décisions que M. Bola Tinubu prend, il le prend comme il veut. Dès qu'on lui dit « ok, voici, par exemple, le docteur Ndoumal vous a parlé, par exemple, du limogeage du directeur de la Banque centrale du Nigeria. Oui. Comment vous voulez que votre économie soit stable quand vous venez, n'est-ce pas, déboulonner un pion extrêmement important de l'économie nigérienne, qui était le directeur de la Banque centrale, qui justement a mis, par exemple, a trouvé des alternatives, n'est-ce pas, à cette fluctuation du Naira, en créant, n'est-ce pas, d'autres systèmes monétaires qui permettent des transactions financières et qui permettaient la stabilité de certains opérateurs, de certaines opérations, n'est-ce pas, au niveau mondial. Donc, vous voyez que cette rupture-là, parce qu'en réalité, il fallait réduire, parce qu'on sait que le directeur de la Banque centrale était très ami à Dangote. Il faut le dire clairement. Il était très ami à Dangote, et Dangote est l'homme le plus riche du Nigeria. Et vous savez que Dangote, dans sa posture, n'était pas très d'accord avec l'élection de Bola Tinubu. Donc, il fallait absolument, et d'ailleurs, dans les enquêtes soi-disant, n'est-ce pas, qui arrivent au limogeage du directeur de la Banque centrale, c'est qu'il avait accordé des fonds, n'est-ce pas, à Dangote pour la raffinerie qui a été construite. Donc, vous voyez que c'est des choses comme ça, à toute tête qu'on est venu, allez, on l'a débarqué. Et donc, le système, n'est-ce pas, un des pans, n'est-ce pas, de cette économie-là a commencé à s'effriter, à s'écrouler. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une société aux abois qui ne voit pas d'issue. Et le président Tinubu n'a pas véritablement un plan d'action. Parce que s'il faut dire qu'il est arrivé au Niger avec un plan d'action, c'est nous mentir. La preuve en est, à tous les sommets, il dort. Voilà. La coalition entre autres des syndicats nigériens a entamé une grève nationale. C'était ce lundi 3 juin 2024 pour souligner notamment ce mécontentement. Plus que jamais, il faut le relever. La situation économique est, entre autres, au plus bas du côté du Nigeria. Pour de nombreux Nigériens aujourd'hui, la faiblesse de l'économie est une source d'angoisse quotidienne, ressentie notamment à un niveau personnel. Certaines enquêtes ont même été menées jusqu'ici, entre autres, pour dresser le bilan, entre autres, de cette première année du président nigérien à la tête, notamment, du pays. Selon une enquête de l'Africa Polling Institute, il faut donc le relever parmi les préoccupations principales. 36% de Nigériens se plaignent de la famine croissante, de ce côté 28% de l'incapacité à satisfaire notamment les besoins de base, 13% du chômage, 9% de l'insécurité accrue et 5% de la pénurie d'électricité. Plus de 74% des citoyens affirment que leur situation économique personnelle s'est détériorée au cours d'années écoulées, contre 20% qui la trouvent inchangée et seulement 5% qui la jugent jusqu'ici améliorée. Elle n'était déjà pas au beau fixe. Patient parfait d'homme sous le magistère du prédécesseur du président Bola Ahmed Tinubu. Mais là, la situation économique du Nigeria est en train de retomber. Et selon d'ailleurs le dernier classement, le Nigeria, qui était il y a encore quelques années seulement la première puissance économique sur le continent africain, a dégringolé à la 4e position. Mais que se passe-t-il? Comment on en arrive là? Bonsoir tout d'abord à vous, patient parfait d'homme. Bonsoir, Baudelaire Guénin, de Prince Matombe, et à l'ensemble de mes co-panélistes, sans oublier l'ensemble du peuple africain. Mais écoutez, le Nigeria dégringole parce que ils n'ont pas su anticiper sur les principales
mutation sur le plan économique qui était en train de s'opérer sur la planète. Le Nigeria est resté un fidèle, parmi les fidèles, n'est-ce pas, j'allais dire, pas allié, mais assujetti de l'ordre impérialiste néolibéral. Il est resté sur les fondamentaux de l'économie néolibérale, qui d'ailleurs reflète exactement ce que vous venez de nous décrire. C'est-à-dire, il y a une infime minorité, là c'est 5%. Oui, qui seulement 5%. Alors, qui continue de s'enrichir, souvent de manière éhontée. Et la masse, n'est-ce pas, laborieuse, qui constitue l'essentiel de la population du pays, lui, continue de s'appauvrir. C'est comme ça que ça existe sur le plan macroéconomique, sur le plan mondial. Le docteur qui est à côté de moi peut vous le confirmer. Donc, c'est pour vous dire que l'économie capitaliste néolibérale, c'est ça son fonctionnement. Son carburant, c'est de tout faire pour que la happy few, comme je les appelle, continue de s'enrichir et qu'au même moment, la masse, la frange majoritaire de la population, lui, continue de croupir dans une misère indescriptible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir anticiper. Il faut savoir anticiper sur les considérants en termes d'agrégats qui sont essentiels aujourd'hui pour permettre au moins d'amortir la chute de ces économies. Ce qui est valable aujourd'hui au Nigeria, vous allez voir, est valable en France, est valable en Allemagne, est valable en Angleterre, est valable aux États-Unis. C'est ce vieux monde-là qui est en train de s'écrouler. Parce que ce sur quoi il s'était basé très longtemps pour assumer leur croissance est en train de perdre la valeur. Et il y a beaucoup d'éléments qui étaient en soutien à cette philosophie économique qui, dans beaucoup de pays, les gens ils ne sont pas contents, il y a des grognes un peu partout. Donc il y a un décalage, il y a un décrochage de ces réalités, de ces fondamentaux économique qui oblige justement l'économie à rentrer dans la spéculation, surtout que il y a trois éléments. Il y a le prix plancher, le prix plafond et la gestion de sa propre monnaie. Quand vous ne maîtrisez pas ces trois éléments-là, vous ne vous mettez pas à l'abri de ce que nous constatons pour le Nigeria. Mais maintenant, ce qui concerne les questions sécuritaires, il faut être honnête, ce n'est pas Tinubu qui l'a créé, ça a toujours été. D'ailleurs, on peut penser que sous Tinubu, l'impact est moins violent parce que autant les autres, Goodluck Jonathan, avec la question de Boko Haram, c'était encore plus violent. La question, par exemple, de déplacer le directeur de Trésor ou bien de la Banque centrale, d'autres l'ont connu. Je pense à M. Senoussi, hein, docteur, qui avait été débarqué de là. Après, il a été fait émir de Kano, je ne sais pas, de l'Amido, émir de Grand Kano, avant qu'il ait encore des problèmes là-bas, qui était d'ailleurs considéré comme un très bon gestionnaire. Donc, l'économie capitaliste, il est comme ça, il est en perdition. Et c'est pour cela que ceux qui sont intelligents aujourd'hui, et les Nigériens l'ont commencé à le comprendre tardivement, ils essayent de s'arrimer aux BRICS. Parce que c'est les BRICS qui sont le pôle de croissance mondiale aujourd'hui, le pôle d'inventivité, le pôle d'opportunité, c'est au niveau des BRICS, dont au niveau de tout ce que se fait dans ce que j'appelle l'Orient économique. Vous avez la Chine, vous avez la Russie, vous avez les pays des dragons, vous avez... C'est de ce côté-là qu'il faut aller chercher la croissance aujourd'hui. Si vous continuez à rêver que la croissance est du côté des États-Unis, de la France, de l'Angleterre et de l'Allemagne, ça veut dire que vous êtes complètement perdu. L'industrie allemande est complètement en déliquescence. L'économie française, vous voyez où elle est aujourd'hui. En Angleterre, c'est encore plus grave que cela. – Mais est-ce que l'administration Tinubu est capable justement d'aller chercher ce que vous décriez à l'instant, patient parfait? – Moi, je vois des frémissements. Ils prennent quand même conscience de l'ampleur de dégâts. Quand vous avez le ministre nigérian, je crois, des affaires étrangères, qui se rend en Russie, et qui essaie de tisser des coopérations extrêmement importantes pour le Niger. Je vous dis que l'un des points faibles de l'économie nigériane, c'est l'offre énergétique qui n'est toujours pas assurée. Si vous n'avez pas une indépendance énergétique de qualité, vous ne pouvez pas continuer à penser que vous pouvez vous projeter dans des décollages économiques et industriels conséquents. Et là, vous avez vu, il est allé voir les Russes, il leur a dit, nous avons besoin de votre technologie pour nous aider à monter ici, chez nous, une centrale nucléaire civile pour combler le gap de ce déficit énergétique qui est quand même scandaleux pour un pays comme le Nigeria qui a des ambitions de trôner à la tête
des pays dans le monde, mais surtout conserver son leadership comme la première économie africaine. Donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire que les gars commencent à prendre conscience qu'il y a d'autres pôles de savoir, d'autres pôles de capacité de financement, mais surtout d'autres pôles de cercle vertueux. Vertueux autant pour moi sur le plan économique. Et c'est vers ce pôle-là qu'il faut aller maintenant, chercher les solutions pour au moins ralentir cette chute dont vous décriez là et qui n'est pas faux et qui commençait déjà à faire grincer beaucoup de dents au niveau du Nigeria. Et sans maintenant oublier qu'il y a aussi un flottement au niveau de ce qui était considéré encore par ceux qui faisaient la prospection économique, je parle de l'Afrique de l'Ouest, comme la profondeur stratégique du Nigeria. Oui. À partir du moment où il y a ce décalage avec l'AUS qui sort de ce qui était considéré comme la profondeur stratégique du Nigeria économiquement parlant, ça commence à créer d'autres types de problèmes. Et les Nigériens, et je crois que c'est pour cela que la sortie de Gohan était très, 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 très appréciable dans le milieu économique, parce qu'en réalité, Gohan leur disait « Attention, avec ce qui se passe là, le Nigeria ne pourra plus se projeter demain comme le leader d'un espace économique viable et qui puisse permettre aux investisseurs de se ruer aux Nigériens et de consolider cette place forte-là, parce que sachant qu'il avait un marché, une arrière-cour en termes de marché intérieur, ce qui est considéré comme la CDAO, qui lui permettait de couler ses produits et permettait donc à ses investisseurs internationaux de s'arrimer à partir du Nigeria pour pouvoir se développer. Donc je crois que nous sommes face à une donne qui ne concerne pas que le Nigeria, mais que concerne tous les pays africains. Il faut savoir varier, n'est-ce pas, ses partenaires, il faut savoir diversifier, n'est-ce pas, son tissu économique, mais surtout, il faut savoir avoir une certaine discipline sur le plan budgétaire pour amoindrir, n'est-ce pas, les effets néfastes de la corruption, les effets néfastes de la spéculation, les effets, tout ça, j'aurais pu laisser le docteur Douma le développer à l'infini, parce que c'est ça les fondamentaux aujourd'hui qui manquent, cette discipline-là, beaucoup plus à nos économies, à nos pays, et qui explique justement que malgré ce qui est considéré comme des richesses, l'Afrique ne parvient toujours pas à décoller de cette gadoue dans laquelle baigne, gadoue de la misère, gadoue de la pauvreté, gadoue des lendemains incertains, etc., etc. Varier les partenaires, ou du moins les partenaires, diversifier son tissu économique, discipline budgétaire, des solutions pour redresser l'économie nigériane, docteur Douma. De façon globale, que faut-il faire dans un tel contexte? Il y a beaucoup de contradictions entre ce qui existe réellement en potentiel au Nigeria et la situation actuelle. C'est là en réalité l'inquiétude. Est-ce qu'en diversifiant, ça peut changer quelque chose? Il y a des frémissements d'ailleurs, on l'a dit, Patient Parfum d'Homme l'a relevé. Youssouf Touga, le chef de la diplomatie nigériane, en a clairement exprimé la volonté à l'occasion de l'une de ses récentes visites de la Russie. Commençons par la hausse du prix du carburant. Vous savez que le Nigeria venait d'inaugurer la plus grande raffinerie d'Afrique et même du monde dans une certaine mesure. Avec plus de 600 000 barils jour. La Société nationale nigériane de raffinerie a 4 autres raffineries qui ont été relookées et qui devraient avoir commencé leur fonctionnement en janvier de cette année. Parmi les 4, l'une d'entre elles est 3e en Afrique. 3e en termes de capacité. Oui. Le Nigeria, vous l'avez dit, est parmi les premières puissances économiques d'Afrique. Comment se fait-il que l'une des premières mesures que le président Bola Tinubu prend quand il arrive au pouvoir, c'est augmenter le prix du carburant? Vous m'expliquez ça comment? Par quelle alchimie vous voulez expliquer à un Nigérian que ça c'est une mesure pour aider les Nigériens à avancer, ou bien le Nigeria à... Les pressions des institutions de Bretton Woods, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Pression des institutions de Bretton Woods, ça veut dire que pour diversifier, il faut qu'il y ait une volonté politique qui est pratiquement révolutionnaire. Et c'est pour ça que j'ai regretté de voir la direction que le Nigeria est en train d'emprunter. Parce que nous, on pensait que le Nigeria était parmi les pays en Afrique qui pouvaient dire non aux Américains
qui pouvait dire non, non aux Anglais, non aux Français. Mais le président Tinubu, il vient nous donner l'impression qu'il est un vrai sous-préfet des institutions de Bretton Woods, des États, des Américains, des Anglais, mais surtout des Américains. Le Nigeria, vous avez... Il y a des contradictions qu'il faut relever. Parce que vous ne pouvez pas avoir 3 milliards de tonnes de réserves, n'est-ce pas, en fer. OK, en fer. C'est-à-dire la deuxième plus grande réserve en Afrique. OK, la 12e au monde. Et vous importez plus de 4 milliards d'acier chaque année. Vous expliquez ça comment? C'est pourquoi vous parlez de contradictions. Ce sont des contradictions qui expliquent cette situation qui va s'empirer. Vous ne pouvez pas avoir votre monnaie nationale. Il y a des pays qui veulent créer leur propre monnaie. Vous avez une monnaie qui date des décennies. Vous n'arrivez pas à la stabiliser. Au lieu de chercher des mesures pour la stabiliser, l'une d'entre elles, ce n'est pas de limoger un gouverneur de la Banque centrale avec son équipe qui ont travaillé pour pouvoir chercher à stabiliser le Naira jusqu'à créer un Inaira. Vous le limogez. Comme si ça ne suffit pas, le Nigeria, c'est 44 principaux minéraux. L'or vient en tête. L'or est parmi les minéraux les plus, qu'on trouve le plus au Nigeria. Donc, au lieu de chercher à faire comme le Zimbabwe l'a fait avec le zinc, c'est-à-dire adosser ce Naira à l'or pour le stabiliser, ils font comme si ce n'est pas important. Ils laissent libre cours au dollar américain et même au torchon de la zone CFA. Les Nigérians sont friands du franc CFA parce que il est plus stable que le Inaira. Le Naira, vous trouvez ça normal? Donc, lorsqu'on prend des mesures aussi contradictoires par rapport à ce qu'on doit faire, oui. Vous voulez que la diversification des partenariats vienne changer quoi? Si on a un dirigeant comme ça. Donc, le problème, c'est que le monsieur, il doit changer sa manière de fonctionner. C'est que il dit une chose, mais en réalité, il joue les intérêts des impérialistes. Et c'est pour ça qu'on a tous ces problèmes-là. Et que les Nigérians sont dans la rue en train de dire, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça fait un an. Donc, il faut maintenant qu'ils se ressaisissent très rapidement et qu'ils commencent à prendre des décisions qui peuvent avoir des impacts positifs à moyen et à long terme. Parce que celles-là qu'il a prises jusqu'à présent sont en train d'avoir les effets logiques. Oui. Les effets logiques, les conséquences logiques. Voilà. André Christel Fanga, quel avenir pour Bola Ahmed Tinubu? Il n'y a pas de volonté politique révolutionnaire. On fait quoi dans le cas précis pour permettre au Nigeria de redorer clairement son blason? Qu'il démissionne. Le Nigeria n'a pas de chef d'État. Bola Ahmed Tinubu n'est pas président du Nigeria. Bola Ahmed Tinubu arrive président du Nigeria parce que simplement le réseau de la CIA qui gère la drogue mondiale, n'est-ce pas, trouve que Bola Ahmed Tinubu est un grand patron, n'est-ce pas, de la drogue. C'est vérifié, vous pouvez aller vérifier dans tout, même dans les trafics, les hommes les plus dans le classement, dans leurs affaires. Et il a laissé beaucoup d'argent aux États-Unis parce qu'il a été chassé des États-Unis pour trafic de drogue. Il a été arrêté. Il a laissé beaucoup d'argent aux États-Unis pour avoir sa liberté. C'est pour ça qu'il revient au Nigeria. Donc il ne revient pas au Nigeria parce qu'il aime le Nigeria. Donc c'est à partir de ces financements, n'est-ce pas, un peu louche, qu'il devient cet homme d'affaires au Nigeria et il commence à avoir des placements, il commence à placer son argent dans les différentes entreprises et il fabrique, n'est-ce pas, quelques dragons financiers, n'est-ce pas, au Nigeria. Donc, vous constatez que Bola Tinubu n'arrive pas, en dehors du chauffeur de taxi, parce qu'il a été chauffeur de taxi aussi aux États-Unis. Donc, il arrive au Nigeria, il ne vient pas avec un plan politique. C'est parce qu'il devient
puissamment riche, qu'il devient le patron, n'est-ce pas, de plusieurs acteurs politiques, que lui aussi, il s'intègre en politique. Donc, il ne vient pas en politique pour, parce qu'il connaît quelque chose. C'est au fur et à mesure qu'il fabrique plusieurs, n'est-ce pas, chefs d'État, qu'il se rend compte que mais, cette fonction-là est assez importante. Oui. Et maintenant, on lui dit, ok, maintenant, comme c'est ton tour, tu vas permettre que les institutions de Bretton Woods, n'est-ce pas, prennent le dessus sur le Nigeria. C'est-à-dire, la logique américaine doit primer surtout au Nigeria. Donc, Dr Ndouma vous l'a expliqué terre à terre tout à l'heure. Comment est-ce possible que le Nigeria qui a 5 raffineries, je dis bien 5 raffineries de haute envergure, ce n'est pas des raffineries comme ce que Total et les Français sont venus nous déposer au Cameroun, c'est-à-dire la Sonara, qui est incapable de raffiner le propre pétrole camerounais. Je dis bien 5 raffineries de haute envergure. La cinquième, c'est celle privée de Dangote. Mais où l'État a toujours une part de possibilité de raffiner le pétrole nigérien là-bas. Donc, vous ne pouvez pas nous dire que avec l'installation de ces raffineries-là, première mesure, c'est de dire qu'on augmente, on enlève la subvention de l'État, n'est-ce pas, sur le pétrole. Et maintenant, la plupart maintenant des transactions pétrolières, c'est en dollars. Parce qu'aujourd'hui, c'est les Américains qui ont pris le dessus sur l'économie nigérienne. C'est pour ça que vous allez retrouver les acteurs privés commencer à se plaindre parce qu'en réalité, ils n'ont plus possibilité de faire les affaires comme ils le faisaient auparavant. Parce qu'en réalité, c'est les multinationales qui ont repris la main sur le Nigeria. Alors que, je crois que c'est Olusegun Obasanjo qui avait dit, qui avait rappelé à le président directeur général de UBA, Tony Olumelu, que vous êtes ce que vous êtes parce que moi j'en ai décidé de faire de vous, n'est-ce pas, ce que vous êtes. Tout à fait. Parce que Olusegun Obasanjo avait dit comment créer des capitaines d'industrie locales qui peuvent rivaliser avec, n'est-ce pas, les autres. Les autres opérateurs économiques au niveau africain et mondial. Parce que là, il y avait une forte concurrence entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Et donc, vous voyez que on a fabriqué des opérateurs qui ont permis d'avoir des places, des parts de marché assez importantes. Dangote en a bénéficié, Tony Olumelu en a bénéficié. Ils sont nombreux, ces opérateurs-là, qui en ont bénéficié de ces largesses-là. Donc, vous voyez qu'il y a eu une politique, n'est-ce pas, de développement de l'économie, n'est-ce pas, des opérateurs de fabrication des génies locaux, des capitaines d'industrie locaux. Et ça envahit l'Afrique. Maintenant, Uber se trouve un peu de partout, Dangote se trouve un peu de partout, pour ceux qu'on connaît le plus. Mais aujourd'hui, vous voyez que la première mesure, c'est de mettre en mal, n'est-ce pas, ces dragons économiques, n'est-ce pas, du Nigeria, qui sont aujourd'hui en train de fuir le Nigeria pour aller investir ailleurs. Parce qu'en réalité, ils n'ont plus de place. Parce que Bola Tinubu, avant Bola Tinubu, il y a eu le président, vous l'avez appelé, Bouhari qui était là. Bouhari, qui était là et qui était aussi dans la même logique. Vous voyez un peu. Donc, vous comprenez qu'en réalité, depuis une décennie, depuis quelque temps, le Nigeria a redonné, n'est-ce pas, la possibilité aux capitalistes, n'est-ce pas, des forces, n'est-ce pas, hégémoniques, n'est-ce pas, mondiales, planétaires, de reprendre le contrôle sur le Nigeria, alors que le Nigeria avait déjà pris un bond en avance. Et l'une des choses qu'il faut rappeler, le Nigeria a très bien fait en créant ça, le INAIRA. Le INAIRA qui était devenu, n'est-ce pas, un instrument extrêmement important pour les échanges, n'est-ce pas, au niveau planétaire. Mais comme les Américains savent, n'est-ce pas, que quand avec la monnaie, la blockchain et tout ce que Docteur Ndouma maîtrise mieux ça, n'est-ce pas, ça permet de tuer le roi dollar. Et le roi dollar ne veut pas mourir. Le roi dollar trouve toujours des moyens d'essayer de survivre. Donc, un pays comme le Nigeria, qui est une puissance économique africaine et qui développe une monnaie digitale qui permet, n'est-ce pas, de
de fuir, n'est-ce pas, oui. Ou bien les transactions, de mettre en mal le dollar, n'est-ce pas, alors ça permet que d'autres Africains peuvent tricher cela et permettre le développement de leur pays. Et aujourd'hui, il fallait d'abord éliminer ça, il fallait briser, n'est-ce pas, cette chaîne-là qui était en train de monter en puissance au Nigeria. Et voici les résultats aujourd'hui. Tout le monde maintenant est à genoux devant la Banque mondiale et le FMI, et en attendant les solutions qui vont venir des États-Unis. Vous savez que la France aussi a des intérêts là-bas avec le pétrole, avec les exportations de Total et de tout ça. Donc, vous voyez que le système néolibéral, n'est-ce pas, capitaliste, a repris du poids de la bête au Nigeria. Et donc, parce que c'est pour ça qu'on a fabriqué un Tinubu pour mettre là, pour qu'il ne maîtrise absolument rien du tout. Et les résultats sont là. Quel espoir, patient Parfendom, pour cette volonté politique révolutionnaire appelée, entre autres, par bon nombre d'observateurs aujourd'hui du côté du Nigeria. Que faut-il pour que ce Nigeria joue enfin son rôle de pilier, notamment dans cette sous-région? Il faut tout simplement que le Nigeria s'adapte à la nouvelle réalité économique mondiale, c'est-à-dire qu'il va dans le sens de participer à la création de ce nouveau paradigme qui est le monde multipolaire. Il faut que le Nigeria arrête d'être figé dans le passé de ce monde unipolaire qui était dominé justement par l'économie anglo-saxonne, capitaliste anglo-saxonne. Le monde en train de se diversifier, il faut en tenir compte. Tout à l'heure, le docteur Douma, dans son développement, a parlé de la place du Nigeria en termes de réserve, comme la quatrième réserve, n'est-ce pas, de fer au monde. Pratiquement. Mais vous ne pouvez pas transformer ce fer si vous n'avez pas une offre énergétique conséquente. Ce n'est pas possible. C'est ça les fondamentaux. Oui. Si vous n'avez pas une production énergétique vous permettant. Il y a de sérieux problèmes d'électricité au Nigeria. Vous ne pouvez pas. Mais les problèmes d'électricité au Nigeria ne datent pas de Tinubu. Il faut, à la vérité, ne datent pas de Tinubu. Un tiers du pétrole qui est produit au Nigeria est vendu au large des côtes du Togo. On appelle les triangles de Togo. Par la mafia. C'est des questions de corruption. Ça se sait. Si vous allez à Lomé, vous allez voir des petits avions, des jets privés qui atterrissent, qui décollent, avec des gens qui viennent avec des serviettes. Vous vous dites, mais quelle est l'activité économique qui correspond, n'est-ce pas, à ce flux important de ces traders? Mais non, ils vont acheter le pétrole nigérien en contrebande au large du Togo. Ça se sait. Donc, il y a des choses comme ça qui existent. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a, on n'en a pas parlé, l'évolution démographique du Nigérian, qui ne fait que prendre de l'ampleur. Et plus il prend de l'ampleur, plus ça crée. Est-ce que ça ne devient pas inquiétant avec cette démographie c'est très inquiétant. Qui ne cesse de croître. De croître. En dépit justement de toutes ces difficultés qui sont relevées. Voilà, et on a vu dernièrement l'engrais. C'est la Russie qui a fourni de l'engrais presque gratuitement au Nigeria dernièrement. D'où la nécessité de la diversification des partenaires. Parce que quand vous faites l'analyse de votre tableau économique, vous voyez quand même vos points forts et vos points faibles. Je dis le premier point fort, et là, il est structurel. Ce n'est pas quelque chose de conjoncturel, il est structurel. C'est la culture des affaires du Nigeria. Il est totalement capitaliste. Et d'une violence inouïe. Où tu as, où tu n'as pas. Alors c'est là, c'est par là qu'il faut commencer à attaquer, que les politiques doivent commencer à attaquer, pour redonner à l'État une certaine consistance régalienne, pour être l'élément d'équilibre entre ceux qui veulent s'enrichir de manière insatiable et le peuple quand même, dont certains, malheureusement, ne doivent pas être laissés au bord de la route. C'est ça le plan social de tout État. Et par rapport à cela, il faut des démarches, des orientations économiques stratégiques qui participent au relèvement de toute cette classe moyenne pour permettre à donner du travail, n'est-ce pas, aux plus démunis. Mais, une fois de plus, le Niger ne peut pas être absent de ce nouveau monde qui se crée. Il ne peut pas. Parce que, contrairement, il faut aussi mettre du bémol. Oui. Au Nigeria, il y a quand même de la matière grise. Il y a quand même. Vous êtes bien optimiste. C'est très costaud au Nigeria. Je suis désolé. Le Nigeria, c'est du costaud sur tous les plans. Sur le plan scientifique, sur le plan des affaires, sur culturel. Le Nigeria, c'est un monstre que nous avons à côté de nous. Hein. Je pense que quand les Camerounais parlent de Nigeria, ceux qui n'ont pas encore fait un tour là-bas ne savent pas de quoi il s'agit. C'est un monstre qui est à côté du Cameroun.
Donc, ce pays-là, je pense qu'ils vont trouver les ressources, autant pour moi, pour mieux s'intégrer dans ce nouveau monde qui est en création et savoir créer des opportunités pour que les investisseurs ne se détournent pas davantage du Nigeria et reviennent justement investir au Nigeria et en faire un pôle de croissance économique conséquent qui puisse maintenant à son tour, parce que c'est là où c'est intéressant. Oui. Le Nigeria, ce n'est pas seulement, il n'a pas seulement une responsabilité pour son propre peuple. Le Nigeria a une responsabilité pour tous les pays qui sont autour du Nigeria, parce que cela participe aussi au renforcement, n'est-ce pas, de son économie, de son marché et de sa capacité à continuer à challenger les grands de ce monde comme une puissance économique conséquente. Donc je pense que c'est ce que fait la Chine avec les dragons, c'est ce que essaie de faire aussi les États-Unis avec le Mexique, même s'il y a beaucoup de contradictions, mais c'est, et le Canada, mais c'est pour vous dire que le Nigeria en est conscient, ils ne pourront pas s'en sortir seuls. C'est autour du Nigeria, il n'y a pas aussi un cercle vertueux sur le plan des décollages économiques certains qui puissent permettre justement au Nigeria de compter d'abord sur cette arrière-courde immédiate avant de se propulser sur le plan international en termes de compétition. Donc je crois que moi je fais confiance à tous ces débats que nous menons. Oui. On les mène aussi au Nigeria. D'ailleurs, les gens sont dans la rue, les gens contestent certaines mesures politiques prises par les jumeaux premiers. Oui. Donc je pense que ceux qui réfléchissent dans les think tanks, dans ceux qui font les brainstorming, les cellules et unités économiques qui réfléchissent pour le pays, ils prennent cela, n'est-ce pas, de manière assez froide. Maintenant, comment opérer le changement, le bouleversement? Est-ce qu'il est, il faut qu'il soit brusque? Est-ce qu'il faut qu'il soit, se fasse par palier? Oui. C'est là le grand enjeu aujourd'hui du dilemme nigérian. Mais je crois qu'une fois de plus, à eux de jouer. Mais il faut que les gens comprennent que le modèle économique capitaliste tel qu'il a toujours fonctionné, il est en crise et il annonce des lendemains extrêmement difficiles pour ceux qui continuent de s'accrocher uniquement comme seul modèle économique pouvant apporter la croissance, mais surtout le bien-être à leur population. Quel avenir pour le Nigeria, avec notamment une économie problématique? Monsieur Sidi, vous êtes au standard. Vous réagissez également dans le cadre de cette émission du Point sur l'actualité. Bonsoir à vous et bienvenue. Monsieur Parfendom, je vous salue. Le pasteur Christian Fanga, bonsoir à vous. Et monsieur Nguéné, toutes mes félicitations pour avoir abordé le vrai problème de l'Afrique de l'Ouest ce soir. Monsieur Nguéné, le problème du Nigeria n'est pas un problème qui est créé par Tinubu. C'est un problème qui est créé par l'impérialisme. Car ils encouragent les dirigeants, c'est-à-dire les dirigeants, à détourner de l'argent. Les impérialistes ont réussi à détruire le Nigeria en leur inculquant comme valeur première la corruption et le détournement des données publiques. Je vous assure, aujourd'hui au Nigeria, tous les secteurs sont désorganisés. Tous les secteurs, sur tous les plans. Ce sont ceux qui nous vendent de l'énergie qu'on appelle au Bénin, ils n'en ont pas chez eux. Même les gosses, je vous dis, même les gosses où j'ai été, Obalande, Ijora, ils n'ont pas de lumière. C'est les gensets, les groupes électrogènes qu'ils utilisent. Ce sont eux qui nous vendent de l'énergie chez nous, au Bénin. C'est-à-dire, c'est un pays qui est pratiquement à la limite maudit. Et il souffre de qu'on appelle de ses cadres, de ses propres enfants. Et aujourd'hui, ce dont nous sommes en train de parler, c'est très grave. Parce que si le Nigeria est dans cette posture, aujourd'hui, c'est à cause de ces impérialistes qui ont trop calculé. Ils ont vu que si le Nigeria prend un élan très très important, ça risque de contaminer tous les autres pays. Comment pouvez-vous imaginer que sur le pétrole, l'essence subventionnée par l'État central, le federal government, est revendu dans les autres pays? Le pétrole subventionné qui est revendu dans les autres pays a de prix, ce qui fait échouer toujours toutes les politiques qu'on appelle du gouvernement. Aujourd'hui, la grève dont il s'agit, on parle du relèvement du SMIC à 60 000 naira. Mais écoutez, l'État central aura l'argent là où? Comment? C'est pas possible. Ce sont les mêmes impérialistes qui montent ces syndicalistes, que ce soit du TU, les deux grandes centrales syndicales. Ce sont eux qui les montrent encore contre le même tribu qui sont en train de manipuler. Il faut que notre voisin de l'Est commence par comprendre.
qu'en réalité, sa voix, il a perdu sa voix. Et sa voix n'est rien d'autre qu'avec les États de l'AES, en rejoignant la Russie pour pouvoir canaliser tout ce désordre-là. Parce qu'ils ont refusé Peter Obi. Peter Obi avait une vision. Allez-y, lis ce qu'il avait comme projet de tout ce type. Ils ont refusé Peter Obi, ces impérialistes, parce que tout simplement, le jeune leur amenait une révolution très dangereuse. On n'allait même pas comparer l'Afrique du Sud au Nigeria. Nous voilà aujourd'hui là où nous sommes. La solution, elle est très simple. Le Nigeria doit rejoindre la communauté, la confédération AES et avoir la monnaie AES. Comment on appelle un patriote comme Yakubu Gowana à son temps. Je ne peux même pas tout dire. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Le Nigeria a tout le vision qui est faux. Nous gagnons ce combat. La réaction de M. Sidi, le premier appelant de cette émission du Point sur l'actualité. Les codes d'accès sont d'ailleurs affichés. Vous aurez l'occasion également de pouvoir réagir. Mais pour nous, nous allons avancer en évoquant entre autres la deuxième thématique de ce soir, consacrée bien sûr à l'unité politique de notre continent. Mais à quel niveau ça coince exactement, en ayant bien sûr un regard sur ce qui se passe du côté de Séoul avec la tenue de cette première édition du sommet Corée du Sud-Afrique, un sommet ouvert donc officiellement ce 4 juin 2024 de ce côté. Un sommet qui remet au grand jour la problématique de l'intégration politique africaine. Comment parler d'une même voix, notamment sur le plan international? Comment peser sur la scène internationale le continent africain? Il est évident, fait face aujourd'hui à de nombreux défis qui entravent entre autres le bon fonctionnement de ces États. Mais comment surmonter justement tous ces défis pour la défense de la souveraineté, voire de la véritable indépendance des pays africains? Nous en parlons dans le cadre de cette émission du Point sur l'actualité. Unité politique du continent africain, à quel niveau ça coince? Première réaction, André Christel Fanga. Ça coince sur le problème de vision. Problème de vision, vous savez que l'Afrique a eu un moment extrêmement important qui, lors de la création de l'Union, l'OUA. Avant la création de l'OUA, il y avait deux blocs qui, justement, se battaient pour la mise en place, n'est-ce pas, d'une organisation ou bien d'une fédération ou bien des États-Unis d'Afrique. Et dans cette vision, il y avait le bloc de Casablanca et le bloc de Monrovia. Nous avons constaté que ceux qui défendaient l'Afrique véritablement et qui voulaient les États-Unis d'Afrique, oui, ont perdu la bataille. Ont perdu la bataille, et ceux qui voulaient une simple organisation de l'Union africaine, l'OUA, ont eu le dessus. Et c'est eux qui étaient soutenus par les impérialistes, n'est-ce pas, qui ont permis que l'Afrique, n'est-ce pas, devienne ce comptoir, ce dépotoir où on nous amène les brocantes belges, n'est-ce pas, pour être entraîneur des lions indomptables, où on nous amène du n'importe quoi sur notre continent. C'est cette bataille-là qui a amené l'Afrique, n'est-ce pas, à devenir ce champ de patates où chacun peut entrer comme il veut, il peut faire ce qu'il veut, il peut parler à les légendes africaines comme il veut. Il peut dire du n'importe quoi sur les Noirs, sur les Africains, comme ils veulent. C'est ce bloc-là qui a permis que l'Union européenne puisse financer l'Union africaine à près de 70%. Donc vous voyez que quand vous perdez, n'est-ce pas, une bataille comme celle à nos aïeux, c'est-à-dire le Kwame Nkrumah, celui de la Guinée-Conakry, Sékou Touré, et tous ces grands leaders-là ont perdu cette bataille-là, n'est-ce pas, de créer véritablement les États-Unis d'Afrique. Alors, le clan des Houphouët-Boigny ont remporté la bataille, et on a aujourd'hui cette union africaine que nous avons aujourd'hui là, qui est calquée sur le modèle de l'Union européenne et qui est financé encore par l'Union européenne. Donc, quand nous
nous avons eu, quand nous avons encore des vestiges de la colonisation, quand nous avons encore les colons, les néo-colonisés qui sont installés au pouvoir, quand nous avons des Bola Tinubu, des anciens prisonniers aux États-Unis installés au pouvoir, quand nous avons les Alassane Dramane Ouattara, brigands de première catégorie qui ont brisé les économies africaines avec, n'est-ce pas, le programme d'ajustement structurel que Dr Ndouma maîtrise le mieux, le programme d'ajustement structurel où il fallait que le FMI, n'est-ce pas, et la Banque mondiale récupèrent avec les privatisations, parce que quand on parle du programme d'ajustement structurel, c'est les privatisations qui ont pris la plupart des sociétés de, africaines, les fleurons, n'est-ce pas, de l'économie africaine qui faisaient la force, n'est-ce pas, des États surtout francophones. On les a. C'est pour ça qu'on peut citer souvent au Cameroun ces sociétés d'État qui ont été liquidées. Mais on oublie que c'était le plan bien orchestré de la Banque mondiale et du FMI pour justement freiner l'élan, n'est-ce pas, que l'économie africaine, certains États africains avaient pris en voulant émerger. Donc, vous voyez que aussi longtemps qu'il y aura ces larbins, aussi longtemps qu'il y aura ces professeurs, n'est-ce pas, qui violent le droit, et qui viennent vous expliquer autre chose. Quand vous aurez des hommes politiques qui ne respecteront plus l'humain, qui ne respecteront plus les lois, n'est-ce pas, humaines dans les États, alors nous serons toujours désunis. Nous n'aurons pas cette Afrique-là unie. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est ça la lutte que nous menons sur vos plateaux de télévision et un peu de partout, en disant aux Africains que nous avons une seule issue, c'est de se mettre ensemble. Même si on ne peut pas se mettre ensemble totalement. Je crois que Parfait m'a repris l'autre jour en disant que les États-Unis ont commencé avec 13 pays, 13 États, pour former les États-Unis. Et donc, avec ce que nous avons déjà comme un embryon, c'est-à-dire les États de l'AS, c'est un embryon. Ça peut produire quelque chose. Peut-être les jumeaux peuvent sortir là, les quadruplés peuvent sortir là, les cinquuplés, et peut-être on peut sortir quelque chose à partir de là. Et c'est pour ça que nous croyons fermement qu'il y a des jeunes présidents, des leaders actuels qui sont capables, n'est-ce pas, de joindre, n'est-ce pas, les États de l'AS pour former le premier pas de cette unité politique et économique africaine. Je pense que le tableau que je viens de peindre n'est pas exhaustif, parce qu'on peut en faire des milliers de constats. Mais nous savons tous que l'idéal, c'est que l'Africain commence à s'aimer soi-même, parce que nous avons encore un complexe qui nous dérange. Il faut que nous tuions ce complexe-là, qu'on commence à s'aimer et qu'on commence à briser ces frontières artificielles qui ont été créées de toutes pièces, parce que des familles ont été divisées, des peuples ont été éparpillés. Et ça, vous savez que l'Europe est basée sur un seul principe. Le monde hégémonique occidental capitaliste est basé sur un seul principe, sur le principe de Machiavel. Voilà. Le principe de Machiavel, il faut le rappeler, parce que beaucoup ne connaissent pas le principe de Machiavel. C'est diviser pour mieux régner. Et c'est ce qu'ils font tous les jours en Afrique, c'est qu'on vous divise, on divise les autres dans les mosquées, on divise les autres dans les églises, on divise les autres dans les loges, on divise un peu de partout économiquement. En fait, il y a une sorte d'apartheid, n'est-ce pas, dans tous les domaines et dans tous les secteurs. Et nous avons le résultat que nous avons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons, certaines confréries ne parlent pas avec d'autres, parce que chacun, en fait, on obéit plus dans les chambres noires que en public et pour le bien-être des Africains. André Christel Fanga. Henri nous rejoint également, vous appelez depuis la ville de Bafoussam. Bonsoir à vous et bienvenue. Alors, est-ce qu'il nous reçoit, ce téléspectateur qui nous rejoint également à l'instant? Allô, bonsoir à vous. Bonsoir, Ndungene. Fais-moi des salutations. Difficile justement de pouvoir Je vais faire comme ça là, Michel Fand, je vais saluer tout le monde, je vais saluer aussi Tatia, papa, donc je
pense pour cela, je vais commencer par donner une définition de la démocratie. Une question de la majorité. Donc, il faut comprendre pas. Nous devons ça ajouter du Nigeria en comprenant que il est apporté au niveau du. Alors, difficile de pouvoir avoir un retour stable de votre part. Cela, on a l'impression que ça se coupe de façon permanente et ça ne vous rend pas audible. De toutes les façons, vous pouvez revenir quand vous le pouvez. Le standard, d'ailleurs, reste ouvert pour tous ceux qui veulent participer à cette émission du Point sur l'actualité. Alors, partant de ce sommet patient parfait d'homme, je pense que ce qui est reproché entre autres chefs d'État présents du côté de Séoul, c'est le fait qu'aucun agenda commun n'a été défini au préalable. Entre notamment ces différents chefs d'État, qu'il n'y ait pas eu, entre autres, une participation concertée et que chacun soit allé de façon un tout petit peu individuelle. Une participation, certes, massive aujourd'hui, qui remet, entre autres, le débat autour de l'intégration politique même du continent africain. Alors, doit-on maintenir cette flamme allumée? Ou alors, au regard la façon dont évoluent les choses aujourd'hui, il faudrait tirer un trait là-dessus? Un trait là-dessus, mon cher ami Nguyen, c'est suicidaire. C'est suicidaire. Je vous rappelle que d'ailleurs, c'est hier que nous avons donné ces éléments ici. La Corée, c'est 100 210 km². Près de 52 millions d'habitants. En termes de superficie, c'est presque la moitié de la superficie du Gabon. Mais vous voyez, en termes de population, ce que ça donne. Certes, la Corée, du point de vue d'un soft power, ils ont su se lancer dans la domestication, n'est-ce pas, de la technologie, de la technique, de la science. Et ils se sont lancés avec un marketing très agressif dans certains secteurs, comme le secteur de la téléphonie mobile avec Samsung, à conquérir des pans de marché sur le plan mondial qui sont très importants et se positionner comme un leader mondial dans ce domaine. On ne peut pas le leur nier. Mais la Corée est l'expression même qui montre que l'Afrique a un problème. Que l'Afrique a un gros problème. Mais comment un pays comme la Corée, qu'on vient de décrire là, en termes de superficie, en termes de population, peut être au niveau économique où il est, au point où il se donne le toupet de convoquer pratiquement tous les pays africains pour venir à sa rencontre, pour discuter des opportunités économiques futures. C'est un non-sens. C'est tout simplement parce que les Coréens ont pris bien conscience que pour exister dans ce monde, il faut une certaine idéologie. Ils ont leur culture millénaire. Et ce sont certes mis à plat ventre face aux États-Unis qui ont aussi lourdement financé l'économie coréenne, il faut le dire. Mais ils ont su trouver quand même leur chemin dans ces vagues, n'est-ce pas, incessantes des pressions qui viennent et de la Chine et des États-Unis pour tirer leur épingle du jeu. L'Afrique, en allant à ce sommet, démontre justement la nécessité de son unité. Aucun de nos pays ne pourra s'en sortir. La Corée, c'est le pont avancé de la présence américaine dans cet espace qui, normalement, doit être contrôlé par la Chine. Mais comme on veut opposer la Chine, n'est-ce pas, des éléments qui doivent montrer à la Chine qu'elle ne doit pas penser qu'elle puisse tutoyer les États-Unis sur le plan international. C'est pour ça qu'on fait la promotion des États comme le Japon, comme la Corée, un peu les Philippines, etc., etc. Donc voilà, nous sommes dans une géopolitique de l'économie et de l'influence sur le plan international où la Corée a su profiter de ces antagonismes entre ces États-Unis qui voient plus gros, qui font un peu le crapaud, qui veulent jouer le bœuf, et cette réalité qu'ils puissent tirer leur épingle du jeu. Moi, je ne peux pas comprendre. On a débattu, par exemple, le Nigeria tout à l'heure. Comment j'ai vu des dirigeants de l'Éthiopie, là-bas. J'ai vu des dirigeants de la Côte d'Ivoire, là-bas. J'ai vu des dirigeants du Kenya, là-bas. Le Kenya et l'Éthiopie, à eux seuls, c'est eux qui devaient montrer la voie à la Corée, et non l'inverse. Donc, il y a une question d'ordre idéologique. Nous avons eu des intellectuels qui ont dirigé nos pays, après nos indépendances, qui ont tous été formatés à l'école occidentale.
Ça pose un problème. Ils ont complètement oublié les intérêts de notre continent. Il faut repartir vers cette base-là. Il y a une nouvelle idéologie qui doit être implémentée au niveau de notre continent, mais heureusement, quand je parle de nouvelle, ça a arrêté l'ancienne. Il suffit d'aller revoir. Il y a une nouvelle idéologie qui tarde à être implémentée. Oui, mais parce que les gens ont tourné le dos à ce qui, à ceux qui avaient réfléchi pour notre continent, à ceux qui avaient de l'ambition pour notre continent. Quand vous lisez Kwame Nkrumah, vous lisez Cheikh Anta Diop, vous lisez Amika Cabral, vous lisez même d'autres auteurs comme Samir Amine, vous comprenez très bien que c'est l'Afrique qui a un problème. Parce que nous avons une élite qui a été formatée à l'école occidentale et qui a cru que c'est en maintenant, n'est-ce pas, les barrières qui ont été érigées à la fameuse conférence de Berlin, c'est à ce moment qu'ils devaient être considérés comme les gens sur le plan de ce qu'on appelle la communauté internationale, comme les gens qui comptent. Or, nous avons l'obligation de briser ces barrières, c'est pour cela que je parle souvent d'un regroupement, même au niveau des sous-régions, pour aller très vite dans l'acquisition des connaissances, oui, dans la mise en place d'une certaine discipline et d'une certaine organisation, nous permettant de faire exploser le génie africain qui est plus que réel. Comment voulez-vous que les Africains, je vous ai donné d'autres statistiques ici, si les Noirs américains pouvaient être mis à part comme une entité, ils seraient la 8e puissance du monde. Mais comment voulez-vous que ces gens-là viennent en Afrique, n'est-ce pas, mettre leur savoir au service de notre continent s'ils ne voient pas quelque chose qui se crée, qui soit comme une lueur à l'horizon de cette nuit noire dans laquelle nous continuons de baigner. Si vous avez dit Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah, Hossein Dafana, Tidjane Poumi, Samir Amin et consorts, vous comprenez très bien la nécessité de l'union. Je ne parlais pas de Mounioba et consorts. La nécessité de l'union pour que nous soyons capables de créer justement une masse critique capable de tirer complètement nos économies, nos pays vers le haut. La question de la discipline, la question de la corruption. Vous savez que dans des pays comme la Corée, on ne badine pas, par exemple, avec la question de la corruption. On ne badine pas avec. Oui. Regardez le spectacle que nous offrons au monde. On a parlé du Nigeria. Allez à Londres, dans un quartier qu'on appelle Mayfair. C'est l'un des quartiers les plus chics au monde, disent-ils, et les plus chers. Vous allez voir des jeunes Nigérians là-bas qui ont moins de 40 ans, qui ont ce qu'on appelle des domaines. Ils prennent cet argent où? Et comment? Monsieur Mobutu a laissé plus d'une vingtaine de châteaux en Occident. Il est mort au Maroc. On l'a même empêché d'avoir même un visa pour aller se soigner en Suisse où il avait ses comptes dans les banques suisses. Mais les Africains voient ça. Les générations arrivent après les Mobutu. Ils reproduisent la même bêtise que les Mobutu. On a un problème sur le plan à la fois idéologique, spirituel. Nous avons un problème. C'est ça. Les gens gonflent, ils disent qu'ils sont riches. La richesse, là, c'est dans le vol, dans la corruption, dans l'appauvrissement des leurs, dans l'incapacité, justement, d'avoir une véritable philosophie du savoir, et un savoir endogène au service de son propre peuple. On ne l'a pas. Très peu de gens ont lu l'imborbasson. On peut ne pas aimer, mais il faut au moins se dire, pour pouvoir, en termes de réaction, j'allais dire de dynamique antagoniste, et comprendre même de quoi il s'agit. Oui. Donc je pense que notre problème aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas de voix qui porte. Nous n'avons pas des intellectuels à la hauteur de créer, de gêner à partir de ce que nous avons nous-mêmes. Nous n'avons pas une véritable idéologie qui est à l'inverse de l'idéologie du capitalisme qui nous a dominés et qui veut continuer à maintenir la périphérie. Il faut redire Samir Amin, il est clair, l'Afrique n'a pas pour vocation de devenir un pôle de savoir et un pôle d'émergence sur le plan économique. Il doit rester à la périphérie du monde pour continuer de servir de base, n'est-ce pas, où on vient prendre les matières premières gratuitement, oui, pour enrichir le centre et continuer à maintenir cet équilibre. C'est pour cela que l'avenir d'un monde multipolaire est extrêmement important. Parce qu'il va casser, oui, complètement cette assise-là. Et bon, j'espère tout simplement que maintenant que la bataille a commencé sur le plan médiatique, d'autres vont l'enchaîner sur le plan économique, sur le plan philosophique, sur le plan de la culture, sur le plan de la science, sur le plan politique, pour qu'enfin nous puissions sortir de cette situation qui produit des moments de honte comme ce fameux sommet. Parce que pour moi, c'est une honte. C'est une honte, c'est vrai qu'on ne doit pas avoir honte d'aller apprendre chez l'autre. Mais qu'en plein XXIe siècle, oui, l'Afrique en soit encore à ce type de sommet,
On a vraiment un gros problème. Donc, et là, je sors par là, il nous faut une idéologie qui est contraire à l'idéologie de ceux qui nous ont dominés. Vous ne pouvez pas utiliser les mêmes outils idéologiques que ceux qui vous ont dominés et espérer justement à un moment donné les tutoyer et de parler de tu à toi avec eux. C'est pas possible. C'est pas possible. Les Chinois ont fait comment? Les Russes ont fait comment? Les autres ont fait comment? Ils ont créé un autre paradigme idéologique qui était à l'inverse, à l'opposé de l'idéologie de ceux qui l'ont dominé et des Indiens avec. Voilà pourquoi ils sont forts là, comme ils le sont aujourd'hui. Et maintenant, les Russes voudraient quand même qu'on ait des gens qui soient capables de voler le feu comme le docteur Douma qui est à côté de moi et prendre le risque de venir subir le martyr en Afrique pour dispenser ce feu-là. Parce que ça aussi, c'est un autre gros problème que nous avons au niveau de notre continent. Voilà. Une idéologie différente de celle de ceux qui ont colonisé les États africains. Mais comment l'implémenter au juste, docteur Douma, cette idéologie différente? Vous savez que ce sont nos modes de pensée qui commandent nos comportements et nos attitudes. Et le doyen a brillamment mis le doigt là où ça cloche. Nos systèmes éducatifs, les contenus de nos enseignements, ceux qui nous ont enseignés et qui continuent de chercher à nous maintenir dans l'obscurité. Lorsqu'on voit un sommet comme celui-ci, moi j'allais demander quelle en est l'opportunité. Vraiment, chacun reste dans son petit coin, il appelle l'Afrique, tout un continent. Aujourd'hui, nous avons plus de 1,4 milliard d'habitants. Un pays qui a 52 millions d'habitants, qui a à peine... qui fait à peine la superficie du Gabon, moins que la superficie du Gabon, reste dans son coin et invite l'Afrique. La Corée du Sud peut inviter l'Europe à un sommet ou bien l'Amérique à un sommet. Bon, ça, ce n'est même pas le problème. Ce qui est grave, c'est qu'il y a des dirigeants africains qui y vont. Ouais. On a invité, ils y vont. L'Afrique, c'est un continent. L'Afrique, ce n'est pas un pays. Si les États-Unis ont eu pour projet d'éclater l'Afrique en 300 micro-États, c'est pour la fragiliser davantage parce qu'ils sont conscients de ce que 54-55 États, c'est encore assez compact pour pouvoir se réveiller un jour. Mais pour se réveiller, on a besoin de vrais dirigeants. On a besoin de dirigeants qui... ont compris qu'il faut changer de paradigme. Ça demande de l'audace, ça demande du courage, ça demande surtout qu'on applique la maxime « il faut le pouvoir pour arrêter le pouvoir ». Vous ne pouvez pas, on vous invite, vous courez, on va vous respecter comment? Vous voulez qu'on vous respecte comment? Regardez les quelques pays qui se sont démarqués en Afrique de manière, on va dire, frontale. Ce qui constitue aujourd'hui l'AES, le Mali, Burkina Faso, le Niger, pour nos téléspectateurs. Il faut voir la trajectoire. Quand ces différents dirigeants ont commencé à dire « Stop, nous voulons reprendre les manettes de notre souveraineté nationale. Nous voulons désormais décider librement, n'est-ce pas, des orientations géopolitiques de nos différents pays. » Sans qu'il y ait immixtion impérialiste. Ils ont été combattus. Ils ont été combattus. Ils ont persévéré au point où, au moment où nous parlons, le Mali est pratiquement accepté, le Burkina Faso est pratiquement... Et là, je parle de ceux-là qui étaient totalement opposés à cela. Je parle du bloc impérialiste. Hier ou avant-hier, le FMI a estimé que le Niger aussi est déjà maintenant éligible pour un certain nombre de choses. Parce que ces dirigeants ont tenu tête. Ils ne sont pas restés dans ce qu'on qualifie aujourd'hui de neutre pays, neutre opportuniste. Il faut prendre résolument un camp. Il faut se positionner. Le doyen parlait de la multipolarisation.
aller vers la Corée du Sud. Mais c'est davantage renforcer le pôle américain. C'est renforcer l'unipolarisation qui est dominée par la dollarisation du monde. Lorsque la Russie a invité les pays africains, vous avez vu tout ce qui a été mobilisé pour empêcher oui. la plupart des chefs d'État d'arriver là-bas. Avec des sabotages d'avions, avec des assurances qui ne fonctionnent plus. Mais quand c'est la Corée du Sud, vous avez entendu qu'on a cherché à empêcher un chef d'État d'y arriver. Parce que c'est toujours le bloc impérialiste. Moi, j'aimerais que la Corée du Nord invite l'Afrique. Vous allez voir ce que les Américains, la France, tout ce qu'ils vont faire pour que le moins de chefs d'État possible puissent y arriver. Donc, je pense que le problème oui. de l'Afrique, ce n'est pas l'Afrique. Le problème de l'Afrique, ce sont quelques dirigeants africains qui n'ont pas encore compris que l'ère de penser occidentalement et diriger les Africains est dépassée. Elle est en train d'être révolue. Il y en a qui sont déjà en retard et certains seront plus en retard encore. C'est pour ça que lorsque Christelle Fang a dit, par exemple, concernant le président Tinubu, que s'il ne peut plus, qu'il démissionne, mais il a raison de le dire comme ça. Parce qu'on a l'impression que le Nigeria est en train de le dépasser. Il attend que la solution vienne de quelqu'un d'autre. C'est à lui de frapper la main sur la table pour que les choses changent. Mais comme il n'en a pas véritablement un grand intérêt et qu'il est de l'ancienne école, de la vieille école, qui pense que quand tu fais très bien quelque chose, on dit qu'il a fait comme un blanc. Mmh. Ça, c'est dépassé, ça. Nous tous ici, nous avons travaillé de temps en temps avec les Blancs. C'était on fréquentait avec les Blancs. Mmh. On est toujours parmi les premiers dans leur classe, dans leur propre pays. Ils le savent. Un bon nombre de dirigeants n'ont pas intérêt aujourd'hui à voir les choses changer. Du coup, on a ce statu quo qui demeure et persiste. Ce sont ces dirigeants-là qui sont le gros problème. Les endocolons. Ce sont ces dirigeants-là qui sont le vrai problème de l'Afrique et qui sont encore en Afrique. Qui ont la peau noire, mais ce sont des impérialistes. En Afrique. Donc, ces dirigeants, on les identifie aussi progressivement. Et le moment viendra où le peuple va leur dire que vous avez suffisamment fait des gaffes. Voilà. Merci. Nous ne sommes pas des peuples qui assassinent leur chef d'État. Donc, on va les accompagner doucement vers là où ils doivent être, mais qu'ils ne puissent plus diriger. Parce que c'en est assez quand même. On ne peut pas à cette ère actuelle, avoir la Corée du Sud qui invite, qui convoque tout un continent comme le nôtre de venir parler des histoires parce qu'ils ont Hyundai, ils ont LG, ils ont Samsung. Et puis quoi? Ce petit pays est la sixième puissance exportatrice mondiale. 2023. La petite Corée du Sud, là. Sixième puissance exportatrice. Vous avez donc l'Afrique, où il y a pratiquement une trentaine de monnaies, 54 pays. On vous dit qu'on a une zone de libre-échange, là où aucune monnaie africaine n'est imposée. C'est-à-dire aucune monnaie n'est un produit commercialisé. Quelqu'un peut venir en Afrique, il achète en dollars. Tout le monde est content. Personne ne peut lui dire, comme au Nigeria, que tu achètes d'abord le Naira, monsieur, et tu achètes notre pétrole en Naira. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je m'adresse aux téléspectateurs. Nous avons des problèmes. Donc, il n'y a pas de zone de libre-échange. Mmh. On a créé un espace pour qu'on nous envoie tout ce qui n'est plus de qualité ailleurs. Mmh. C'est-à-dire que on a créé un marché pour ceux qui produisent et qui viennent nous vendre et leurs produits et leur monnaie. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous n'avons pas de devise pour pouvoir transformer, n'est-ce pas? Transformer et créer de la valeur. Oui. Puisque tout à l'heure, le doyen a parlé du fer au Nigeria. Il faut des fonds. Il faut des fonds importants. Mais si le Nigeria vendait le Naira contre toutes les autres devises, le Nigeria, dans chaque transaction internationale, engrangerait les devises pour les utiliser, pour acheter tout ce qu'il achète à l'étranger. Mais ce n'est pas le cas. Donc, structurellement, la plupart des pays africains, sinon tous,
ont des balances commerciales et financières déficitaires, structurellement. Mais voilà les problèmes de fond auxquels il faut s'attaquer pour commencer à espérer avoir une unité politique un jour qui tient tant au doyen. Et il a raison. Mais on ne peut pas la décréter, l'unité politique. Si un chef d'État ne peut pas maîtriser son espace géographique pour pouvoir assurer des conditions de vie normales à ses populations, avec la sécurité qu'il faut, la santé, l'éducation, etc. Vous pensez que c'est quand on va avoir un espace global que celui-là sera un vrai gouverneur dans son espace? Parce que peut-être que si nous sommes la grande unité africaine, comme moi j'aime, comme j'aime l'appeler, je suis pas du concept des États-Unis d'Afrique. On voit ce que les États-Unis d'Amérique sont. Donc on ne peut pas prendre l'exemple des Américains pour dire États-Unis d'Afrique. On n'est pas là-dedans. Créons ce qu'on peut appeler une grande unité africaine qui va partir des fondamentaux purement africains et qui va coincer donc ce que nous aurons en face. Parce qu'on ne peut pas utiliser tout ce qu'ils utilisent pour espérer les gagner sur leur propre terrain. On ne peut pas. Donc nous devons utiliser nos armes, nos propres armes, même mystiques, pour pouvoir les coincer là où ils pensent qu'ils sont plus avancés que nous. Des armes mystiques, même mystiques de toutes les façons. Docteur Douma, vous souhaitez ajouter quelque chose? Nous sommes à la fin pratiquement de l'émission. Allez-y. Il y a le chancelier allemand Edmund Kohl, j'aime bien rappeler cela, qui avait déclaré « Faites tout pour que l'Afrique ne s'industrialise pas. » Parce que si on veut avoir une vraie unité politique, il faut l'industrialisation de l'Afrique. Et je rappelle simplement qu'il y a un très grand projet, projet Inga, Inga 1, Inga 2, ou en RDC Congo, qui est la production, n'est-ce pas, de ce grand barrage pour la production de l'énergie, pour alimenter, qui est capable d'alimenter, n'est-ce pas, l'Afrique tout entière en énergie. L'Afrique et même l'Europe, selon ce Mais que certains analystes avancent. Je vous dis que c'est un projet avancent. Qui peut alimenter toute l'Afrique en énergie, le projet Inga, qui est en RDC. Pourquoi on ne va pas financer ce projet-là? On va nous financer le deuxième pont sur le Vouri. On va nous financer des choses bizarres. On va nous financer des choses comme ça. N'est-ce pas? On va financer des trucs qui ne permettent pas à l'Afrique de véritablement se développer et s'industrialiser. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut que les dirigeants africains commencent à penser à quelque chose de plus grand. Oui. Plus grand comment? En prenant des décisions courageuses. Par exemple, vous voyez les États de l'AS. Ils ont décidé, par exemple, d'aller dans une fédération aujourd'hui où... Une fédération? Il y a déjà confédération. Une confédération D'accord. pour une fédération une, à terme. Une confédération. Donc, aujourd'hui, nous pensons que avec des moyens, n'est-ce pas, de chaque État, on décide par exemple que l'or du Mali, du Nigeria, du Niger et du Burkina Faso sont un produit commun. C'est-à-dire de ces trois États-là. C'est-à-dire, on n'a plus besoin de dire qu'on va acheter l'or du Mali, on va acheter l'or du Niger, on va acheter l'or, n'est-ce pas, du Burkina Faso. On met tout ça sur une même table, on dit, bon, c'est pour nous, qu'est-ce qu'on fait avec? On va acheter ceci, on créer des hôpitaux, créer... En fait, pourquoi ne pas même créer une seule capitale, un seul gouvernement? Il faut aller vers là. Mais c'est ce qui est recherché dans ce projet de confédération. Mais c'est possible. Et je pense qu'aujourd'hui, cette volonté politique, n'est-ce pas, est déjà vue avec ces dirigeants de l'AES. Pourquoi pas exciter les autres dirigeants, n'est-ce pas, des autres confins de cette Afrique-là, de s'engager dans cette logique-là, dans cette voie? Unité politique passe nécessairement par volonté politique. Et c'est ce qui semble faire défaut à nos dirigeants africains passant par Fendom. Absolument, absolument. Ça semble faire défaut, mais parce qu'ils sont sortis d'une certaine école. Et cette école ne leur permet pas d'avoir cette vision. Je réponds au docteur Dimo que non, non, on ne peut pas attendre que dans tous nos pays soient d'abord bien gérés avant d'aller à l'unité. Non, faux. Il faut le faire tout de suite. Il faut le faire tout de suite. Est-ce que les mécanismes tous sont réunis pour migrer rapidement vers cette unité politique? Vous étiez en Centrafrique. Où est la différence entre la Centrafrique et le Cameroun? Il y a quoi? Il n'y a que la frontière. Ce sont les mêmes pays, ce sont les mêmes réalités. D'abord, sur le plan culturel, c'est la même chose.
Les Macas au Cameroun. Je veux parler en profondeur. C'est le même peuple. Alors, si vous prenez le Gabon, c'est la même chose. Vous prenez le Congo, c'est la même chose. Le Tchad, c'est la même chose. Donc, le problème ne se pose pas là. Comme disait quelqu'un, on nous a assujettis ensemble. C'est ensemble qu'on va se relever. Et je suis convaincu qu'en nous mettant ensemble, on dit il y a toujours beaucoup plus d'idées dans deux têtes que dans une seule. Oui. Nous allons trouver beaucoup de moyens pour vite aller de l'avant. La question de la performance économique ou bien la bonne gestion, oui, elle est commune à tous ces États. Quand vous regardez nos États, nous avons les mêmes tares, surtout dans le bloc francophone, les mêmes tares. S'il n'y a pas, si on a problème d'eau au Cameroun, d'eau potable, vous allez le trouver un peu partout autour de nous. De l'électricité, la même chose, déficit énergétique. Des infrastructures, la même chose, un peu partout. Donc, on a les mêmes problèmes. On va s'atteler à résoudre ces problèmes-là ensemble. Ce n'est pas la petite embellie de la Guinée équatoriale qui va nous faire oublier le déficit infrastructurel énorme au niveau de notre continent. Excusez-moi. La Guinée équatoriale, je veux bien, mais bon, c'est comme si quelqu'un essaie de vous dire que le Cameroun se limite à Limbé. Ça fait un peu rigoler quand même. Bon, donc, plus nous serons forts, costauds, oui, capables de créer un marché interne où les gens consomment, qui va prendre du volume, je crois que là, nous serons en mesure de commencer à vraiment faire, comment dire ça, notre génie va exploser et nous serons capables de trouver, n'est-ce pas, des solutions aux difficultés qui nous semblent insolubles que nous avons aujourd'hui. Merci à vous, messieurs. Patient parfait d'homme, André Christel Fanga, docteur Douma, merci d'avoir été à mes côtés dans le cadre de cette émission du Point sur l'actualité. Merci également à nos nombreux téléspectateurs, télé, auditeurs ou encore auditeurs. Merci à l'ensemble, la grande équipe, la réalisation. Toutes nos excuses auprès de nos téléspectateurs qui n'ont pas pu réagir ce soir pour des raisons dépendante, peut-être indépendante de notre volonté, mais pour des raisons purement techniques. Je pense que nous aurons l'occasion de corriger. Ce sont des raisons qui dépendent du retard de notre continent. Voilà, vous l'avez dit, messieurs. Donc, nous aurons l'occasion de corriger tout cela rapidement pour que vous puissiez, bien sûr, interagir avec nous. Mais ce n'est que partie remise. Les programmes se poursuivent sur For You Media Africa.